Bonjour, chers frères, et bienvenue à ma chaîne YouTube Agent Internet, Internet Agent. Je suis là au domicile de mes parents, à Bapa. C'est un quartier de loup. Généralement, c'est pas Bafsam. Voilà, ça fait près de 10 ans, hein, près de 12 ans que je n'ai pas mis pied ici. Donc, vous savez. Comment ça se passe? Vous voyagez, mais malheureusement, ça devient très difficile de retourner parfois. Il y a beaucoup de choses qui sont à l'origine. Bon, mais là, on ne peut rien. Donc, je suis là. J'ai constaté la vie au village a changé. La vie au village a changé, a vraiment changé, parce que à l'époque, quand même je vivais ici, c'est vrai que je ne suis pas quitté directement ici pour voyager, mais ce que nous vivions ici, c'est pas vraiment la même chose. Donc, oui, mes parents ont grandi ici, ils ont décidé de ne pas voyager comme tout le monde, et comme certaines personnes, vous savez. Mon père aujourd'hui a près de 75 ans et la majorité de ses frères, parce que mon grand-père paternel avait près de 8 ou 9 ans et la majorité de ses frères ont vécu à Yaoundé, voilà. Mais lui à l'époque avait décidé de ne pas voyager, donc il est resté ici au village, il nous a accouché, moi. Petit frère et moi, nous sommes environ 8, je crois, 8 ou 9. Donc il était resté sur le village parce qu'à l'époque, il se débrouillait déjà pas mal parce qu'il faisait des petits métiers, il était maçon, menuisier, faisait déjà beaucoup de choses. Donc il avait jugé qu'aller en ville n'était pas très important. Donc j'ai fait un tour sur le village pour voir un peu comment. Ça se passe et ça fait du bien de retourner après tant d'années et de respirer l'air du village, de manger organique, de manger des choses naturelles. Dans cette vidéo, je voulais juste parler un peu du fait que j'ai réussi à descendre ici au village après tant d'années. Bon, c'est vrai qu'il y a une mauvaise nouvelle parce que j'avais eu deuil, donc je suis venu ici au village. Ça fait du bien de vivre dans une communauté villageoise, mais bon, vous savez, la vie est bien chère, la vie est vraiment bien chère ici. Les choses à l'époque qu'on achetait à 10 francs CFA, aujourd'hui si tu n'as pas 100 francs, 200 francs, tu ne peux pas posséder un truc comme ça. Merci, c'est vraiment un plaisir. J'étais tellement occupé que j'ai même complètement oublié que je pouvais faire une petite vidéo pour montrer le décor. Donc voilà, ça fait du bien. Si vous êtes nouveau à ma chaîne, abonnez-vous parce que ça fait un bon bout de temps que j'ai pas posté de vidéo parce que j'ai préparé ce voyage pour descendre ici et ça fait du bien d'être là. Donc dans une prochaine vidéo je vais un peu parler de comment la vie ici au village, comment les gens vivent, comment c'est compliqué de nos jours, surtout avec la guerre en Ukraine et tout ça, les choses ont complètement changé. Voilà, merci de m'écouter. Abonnez-vous à ma chaîne, faisons grandir cette chaîne ensemble. Et merci beaucoup, c'était un plaisir pour moi.